retour pour le troisième match de la soirée, Gamers Origin contre Mouze. Quoi, t'étais trop petit? Trop grand? Non, j'étais trop grand. Trop grand, pardon. Du coup, je me... Ah d'accord. Ouais, on est là-dessus. Ok, y a pas de soucis. C'est vrai que tu es si massif. Dans... Ça fait longtemps que je t'avais pas vu d'ailleurs, Noah. Bah oui, bah forcément. Bah, il s'est passé que t'as pas pu venir pendant une semaine. Ouais. Voilà. C'est mais sinon, j'étais là. Ouais, c'est vrai que ça t'était là. Mais non, mais le décalage du planning en début de semaine, normalement c'est lundi-mardi, c'est un peu mes jours de glandouille. Et le fait qu'il y ait eu la LFL décalée lundi-mardi, ça m'a un peu changé dans ma routine. Voilà. Oh mon pauvre, t'as eu du mal du coup. C'est terrible, je suis un papy maintenant. J'ai vraiment du mal à m'adapter aux conditions de vie des jeunes. Ah, je comprends, la routine, c'est important. Et en parlant de routine, on est parti pour la game des Gamers Origin en European Master. Ça fait beaucoup de fois que cette structure. En général, ils sont un petit peu curse. On espère ici que ce ne sera pas le cas. On l'a vu en termes de gameplay, c'est totalement différent. Gamers Origin, c'est beaucoup plus contrôle. On pique des champions qui veulent scale en late game, on pique des champions qui veulent team fight. Côté des Mouze, on prend une composition early et on se bat. De toute façon, déjà, Gamers Origin, quant à la meilleure du lane, je pense, de toutes les ligues nationales, à mon avis, tu pars serein. Parce que Smiley, Sleen, c'est rare de les voir se faire fumer. Alors. En parlant de ça, ouais. De ce que j'ai compris des Karyade, j'avais une discussion avec Exaki qui est plutôt d'accord avec lui, j'ai l'impression que les deux meilleurs Karyade sont dans cette game, Jeskla et Smiley. Le truc c'est que je suis d'accord avec toi que je trouve pas non plus Promiscue aussi bon que Sleen, en tout cas sur voilà, ce Sprat, il a une aura, voilà, il a une histoire, il a un bagage, maintenant... Il a pas les bras qui vont avec. Peut-être pas, peut-être... Peut-être qu'il est, oui, il lui faut des conditions spéciales pour débloquer son plein potentiel d'oracle et de prophète de l'Europe. Bah on verra s'il va les avoir. Bah, et mais... tout de même champion du MSI. Hein. Non, mais... Double champion d'Europe, champion du MSI. Et d'ailleurs, il a demandé aux gens de se pousser pour soulever la coupe. Donc j'aimerais dire... Ah, il n'y a rien à dire à ça, c'est vrai qu'il est champion du MSI. Quoi. Champion du monde. En tout cas, on est parti dans cette game ici à voir si le vice-champion du monde en fera assez parce qu'on a deux excellentes botlanes comme on l'a dit, mais aussi je deux crois que Alderiat en sub s'est qualifié aux Worlds aussi. Hein? Il n'y a pas un moment où Alderiat il était sub pour Vitality. Si! Et c'est pas la. Voilà. C'est totalement. Donc indirectement, Alderiat s'est qualifié aux Worlds. Déjà à lui, évidemment, déjà à toi Adrien si tu nous regardes. Écoute, on a aussi deux très bons millionnaires je pense dans cette game, enfin, c'est beaucoup de joueurs extrêmement skillés, on l'a vu, les Mouze Sports veulent jouer très très tôt, veulent jouer très rapidement, quitte à throw des parties, ils ont failli le faire dans la game présente, ils se sont fait un petit peu peur. Là où Gamers Origin ça ne prend pas forcément un avantage monstrueux avant les 15 minutes, en général ça gagne quand même la botlane mais c'est à peu près tout. Et après on se regroupe à 15 minutes, on joue avec du match control, avec du carry de late game du côté de Smiley et on remporte les games. En parlant de carry de late game, c'est le moment de pick H j'imagine pour lui. Oui, il reste plus grand chose non plus d'ouvert, alors on peut prendre un Aze et après partir sur quelque chose d'un peu plus roaming et d'un peu plus safe, mais bon, là, si H et Karim, hop, on n'en parle plus. Totalement, ça pourrait le faire, après, Blanzard sur Ekarim, c'est pas son meilleur champion. C'est pas son meilleur champion, mais est-ce que t'as envie de laisser un Ekarim Shen? Non. Il y a forcément une Senna en plus qui peut proc, ce serait vraiment un début de draft excellent pour les Mouze Sports. Avoir la décision de Gamers Origin et de leur coaching staff. Glopo évidemment qui est au loco et qui aide ses joueurs ici. Graves pourquoi pas, mais c'est vrai que laisser un Ekarim c'est très dangereux. Mais bon, Graves c'est le counter pick je pense pour Blurzor. Graves après là ils peuvent prendre Thresh et Karim, Senna et Karim. Et ban Camille, ban Ekarim, fast, vite. Oui, vite. Je pense que Ekarim tu es obligé de ban et je pense aussi que vite est un ban obligatoire parce que Tukui va prendre. Alors attention, c'est beaucoup de flex. Shen peut aller à peu près partout, on le sait maintenant depuis les fameux TSM, la jungle, etc. Le combo d'ulti reste le même. C'est totalement le même, mais par contre le Galio peut aussi aller support. Oui, c'est complètement difficile de draft maintenant. Et Galio sur leader, bon, c'est pas un truc qu'on voit si souvent, ça m'étonnerait. J'aurais pu aimer qu'il sécurise le Thresh. Après, je sais que Huffling Beast est particulièrement fan de Nautilus. Mais un petit Thresh, déjà, pour pas le laisser à une Senna, pour le prendre pour aller avec la hache, et qui en vrai pile assez bien dans l'éventualité, on aurait un Karim. J'aurais préféré. Maintenant, c'est peut-être un peu moins aggro et un peu moins laning. Je pense que faut même pas essayer de regarder le champion, c'est le champion pool de Huffling directement. Il a pas un très bon Thresh, il a un excellent Nautilus. Il le prend. On va directement dessus et c'est vrai que la lanterne pourrait venir à manquer ici à Smiley dans cette game. Il retire un Sylas pour le moment, donc il ne croit pas du tout en ce Galio mid lane. Mais retirez-moi ce Ekarim s'il vous plaît, messieurs des Gamers Origin. Et Camille aussi qui est laissé open, mais bon. Je pense qu'il part du principe que Shen est top, quand même. Ouais, je trouve ça ambitieux, hein.
Effectivement, le Shen Jungle Galliomid. Pas de Paneka. Et ban. Malphite. Ils vont jouer quoi au top? Un Wukong? Non, c'est... Ouais, peut-être un Wukong. Bien vu. Parce que chez mec, aime beaucoup le champion. Mmh. Je pense qu'il joue quasiment que Wukong et Maokai actuellement. Je vois que ça. Je pense que tu as raison. Après, en quatrième, est-ce qu'on blend pick la mid lane ou est-ce qu'on part du coup sur un, ce fameux Wukong ou sur un Maokai pour chez mec? Je vois pas ce qu'il pourrait vraiment jouer d'autre. Et le Ikarim qui est laissé open. Non. C'est, normalement, c'est une autoroute pour les Mouse. Après, est-ce que les Mouse veulent mettre les ressources entre les mains d'Obsess? C'est une vraie question. Il est assez bon sur la game d'avant. Il est bon, mais c'est pas le joueur qui est censé carrer dans cette, dans cette équipe. C'est plutôt les ressources sur Jeskla, sur leader notamment. Le Wukong pour chez mec. Et on se garde la counterpick pour Tukui. Il va piquer Karim, il y a un ghost, on le sait. C'est Karim. Elle est. Bah après, si c'est Nida, je vois pas pourquoi il y a un ghost. Mais ce sera Karim, ouais. Ce sera Karim. Elle est lourde la draft des Wu. Elle est trop bien, hein. Ah ouais, elle est trop lourde, hein. Bah ouais. Et la leader qui saupoudre ça, seulement d'un pic de son cru, à moins que ce soit le Galio sur la mid lane. Mais ce serait surprenant, pourquoi pas après tout. Ce Galio peut aller contre Nautilus, donc honnêtement. Pas dans l'habitude de leader, c'est vrai. Irelia, après c'est pas forcément fou dans cette draft, il lui faut de la priorité. Et un petit écho en blind. Ça embête les picks de Tukui. Je pense que Tukui qui a une Orianna notamment et Syndra, des champions qui ont un peu de mal contre Echo potentiellement. Elle vaut quoi ça Zoé? Elle est excellente. Elle est vraiment excellente. Non, c'est pas si mal Zoé contre Echo, non? C'est pas si mal, tout à fait jouable. Après ça peut être compliqué tout de même, mais tu l'as dit, ça va être sorti du côté de Tukui. Je pense qu'il peut pas se permettre de pick Syndra. Globo m'a demandé conseil pour les drafts. Je lui passe un petit coup de fil à la pause. Je vois. Alors. Bah, la prochaine fois, tu lui diras de banner Karim. Ouais, pardon, j'ai oublié de lui dire. Parce que quand même, tu veux laisser Karim chaîne. Ouais, c'est grave, bon. Ouais. Je lui ai conseillé sur sa draft, pas la draft de l'adversaire. Je lui ai dit, franchement, si tes joueurs peuvent avoir ça, c'est cool. On l'a pas noté, mais Tukui qui a pris 4 bans au passage. Hein. Leader qui se fait dessus. Et de jouer contre le prodige français, là où il y avait forcément le ban respect aussi de Akali sur leader, c'est logique. Écoute, bon, bah, des drafts, on est plutôt habitué du côté des gamers origine. Au final, on va vouloir jouer les teamfights un petit peu plus tard dans la partie. Le truc, c'est que jouer les teamfights contre la compo Mouse, ouais, c'est pas simple. Et jouer les sides, c'est quasiment le 1-3-1 des Mouse contre la position contre la composition des gamers origine. Après, le teamfight, t'envoies le Echo dans la mêlée ou le Ekarim, derrière, il y a du backup. Hein. Bon, le c'est coup, là, hein. La leader, il va vraiment pouvoir se permettre de faire ce qu'il a fait à la game précédente, hein, c'est-à-dire prendre son cerveau, le débrancher et attendre que son équipe le suive. Il peut totalement faire ça, et le truc, c'est qu'il y a une hache en face qui n'a pas d'outil de repositionnement, qui n'a pas de dévoration de time gauge, pas de lanterne. Donc Smiley doit snowball sa lane, doit être largement devant s'il veut pouvoir jouer les teamfights, puisque sinon contre Ekarim, contre Echo, c'est quasiment impossible, ou faut vraiment être un monstre. Mais c'est un monstre. C'est vrai que en teamfight, si ça se passe bien au top, le Wukong de chez mec, contre tous les corps à corps qu'il y a, il a appuyé sur R pour pulvériser le teamfight des Moose. Il y a tout le monde qui s'empale sur lui. Mais qu'est-ce que c'est dur à jouer? Qu'est-ce que c'est dur à jouer la draft des Gamers Origin? Après, ils ont tellement de menaces, tu te dis peut-être que Mouse aura pas des dégâts pour Burstorm, mais ils ont quand même beaucoup de dégâts. Ça peut aller vite. Hein. Mais surtout que l'early game, il y a tout de même 3 globos avec 2 champions qui décalent et qui dive extrêmement bien. Donc en fait, j'ai vraiment peur que si à la mid lane, et c'est leader, hein, c'est pas Jean-Michel tout le monde, c'est quand même leader sur un assassin, si leader prend le meilleur sur Tukui. Non. Je t'arrête là, ça n'arrivera pas. Ah ouais, ça n'arrivera pas. Tukui en lane, mais sur Syndra, Zoe, Orianna. Je sais que nos Français ont du talent. J'ai dit si. Attends, on va voir, mais je suis très intéressé de voir ce match-up parce que leader, on l'a eu sur la scène française, mais c'était juste avant l'avènement de Tukui en LFL. Donc très curieux de voir ce qu'il va se produire ici. Le Light Invade du côté des Geo, ils ont un Graves, ils aiment le faire, ils ont H aussi. Mais on est prêt du côté des Mouse et Tolkien est là avec son chaîne. Oh Blonzor! Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Blonzor, le flash out! Blonzor qui tombe! Hustling Beast! Qui va flash out, on va pas le suivre. Si, leader, bien sûr, leader n'hésite jamais. Et il a un petit dash, une auto, encore un abordage. Oh. Ouais, mais il va avoir le cooldown, leader. Je pense qu'il va venir le chercher. Son kill, il met un petit pouce. Il y a le Graves qui arrive. Oh, Hustling Beast qui s'en tire à rien. MDR. La téléportation sur la mid lane. Personne n'est top hein, pendant ce temps-là. Ouais. Le mec, lui, il est très très bien. Le chaîne qui va avoir du mal, il a récupéré un petit peu de farming au mid.
Bon, pas le meilleur les games pour les Géo, et pourtant ils en ont besoin d'un bon avec un mid-jungle tel que Grave the Zoe. Mais Tukui qui a un avantage, plus de téléportation sur leader, Tukui est capable de snowball ce match-up à mort, je pense. Ouais, il a un petit avantage, après dès qu'il va y avoir le... Après ce qui est bien, c'est vrai qu'il n'y a pas de flash, il n'y a pas de TP au mid. Ah, donc il a là, avec une potion de corruption, sachant qu'il y a déjà une potion qui a été claquée pour leader parce qu'il a dû tout de même TP devant Blurzor, c'est vrai que là, normalement, Tukui, il a un boulevard pour venir mettre de l'agression. Il a un boulevard. Il suffit d'avoir les bons items avec Zoé, ça pourrait mettre du solo kill très rapidement. Ici, en tout cas, la pression mid lane va être excellente pour les gamers Origin. Leur souci, c'est que Blurzor est un petit peu en retard dans sa jungle, mais bon, c'est un Graves, il va revenir, c'est Blurzor en plus. Il sait comment faire, je pense. Et sur le bot side, par contre, Austin qui a mis beaucoup de temps à arriver en lane, là sera peut-être le problème des Géo. C'est une hache, elle va pouvoir tout de même farm. C'est vrai qu'il n'y a pas le niveau 2 pour Austin Beast là, donc je pense qu'ils ont un petit peu peur. Il a pas de flash non plus, ils ont un petit peu peur des agressions sur ce moment-là. Bien. Après, il n'y a pas de flash pour Promiscue, donc il n'y a pas de flash taunt à mettre. Et chez mec, utilise très bien sa priorité de lane ici pour aller chercher dans la jungle Obsess. Et pourquoi pas prendre un blue buff pour son jungler ici. Excellent move de la part du soliner des Gamers Origin. Le bloc qui sera récupéré, réclamé par Blurzor. S'il n'y a pas de souci de smite, monsieur Blurzor. Oh, c'est dur. C'est si dur. C'est si dur. L'abordage qui passe sur Promiscue, les dégâts sont bons. Il n'y a pas de flash sur Promiscue, il faut le rappeler. Il y a un heal qui a été mis du coup par Jeskla qui a vu le mauvais trade arriver. Et du coup, forcément, ça s'inverse ce rapport de force. Ah, Smiley qui n'a plus de mana, c'est difficile de trade pour cette hache. Va falloir concéder un petit peu de pression sur le bot side. Blurzor qui va tout de même récupérer un double carapateur. Donc c'est pas non plus la fin du monde, même si évidemment avec ce blue buff ça leur est fortement aidé. Du côté de Obsess, on va pourquoi pas aller invade à la jungle du Graves. Non, il ne lit pas bien dans le jeu de Blurzor ici. Il avait des camps gratuits à faire sur le top side. Il va préférer reset et Blurzor courbot. Ça c'est superbe, ça c'est une très belle trajectoire. Et personne s'y attendait, la téléportation de chez Mech, c'est peut-être un petit peu tôt. Et est-ce qu'on a abordage? La grenade qui a été mise, Promiscue est condamné. On va essayer d'aller chercher Jeskla, il a un flash Jeskla, il va être obligé de l'utiliser. Et un très bon kill avec cette superbe vague qui va pouvoir être freeze jusqu'à Padder. Smiley il peut la mettre à l'endroit où il veut, faire son back, revenir et deny tellement de farm à Jeskla. Très belle utilisation de priorité mid par Tukui ici qui vient chercher un kill en bot lane en concordance avec Blurzor ici. Pendant ce temps là on essaie de counter les Raptors du côté de Obsess. Blurzor fera la même chose sur le bot side, faut juste pas perdre le red buff dans l'idéal pour ce Graves. Et c'est un early game qui avait mal commencé pour Gamers Origin mais qui semble tout de même bien maîtrisé. Ah, c'est très très bien, hein. Vraiment utiliser ce TP advantage, utiliser parce qu'il y a une rotation mid, hein. C'est pour ça qu'ils ont été surpris. Hein. Il a fait sa rotation par la mid lane Blurzor, donc il gagne énormément de temps. Et je pense que Obsess l'attendait complètement sur son top side, c'est pour ça qu'il a fait son back et qu'il a pas osé y aller tout à l'heure. Totalement. Et donc ils étaient complètement dans une mauvaise lecture de la trajectoire de Blurzor, qui a bien rebondi, hein, parce que... Il la trouve pas cette trajectoire après avoir autant investi de temps, attention, avoir squeezé ce topside, c'était très compliqué je pense. C'est très compliqué mais là attention au dive pour Smiley qui a cette summoner, peut-il vraiment outplay? Il a encore une cleanse, il a encore un flash, il va utiliser les deux mais il a déjà pris trop de dégâts et le kill ira pour Obsess. On punit du côté de chez Mech, pour le moment c'est un 1 point, mais l'H va perdre énormément de farm et une H sans summoner. Quand tu auras un niveau 6 sur Ekarim ça va être difficile à jouer. Et c'est là où on va regretter de pas avoir pris le Thresh. Maintenant, très bonne téléportation de chez Mech, très réactif. Voilà, c'est une vengeance tout de même. On donne un assist à la hache. On perd pas trop parce que la lane était plutôt bien positionnée. D'ailleurs, on nous montre. Oh, c'est beau. Hein. Ah, c'est beau. Hein. La gestion de lane est très très belle tout de même hein, chez les Géo. C'est que je suis aussi très bien fait dans le premier game de la journée hein, contre les Fnatic Rising, notamment en early game. Tukui ici qui prend un trade, qui récupère une proto-belt. On va pouvoir toucher la bulle ici, c'est une chose faite. A-t-on vraiment les dégâts? Je ne crois pas. Il avait plus de CD d'Astropong malheureusement. Il y a un petit chrono break derrière. Mais il se fait respecter tout coup sur sa mid lane pour le moment. Complètement. Hein, ça tient, hein, ça tient. 200 gold d'écart de partout. On récupère les summoners, on repart à zéro. Voilà, c'est, on a corrigé les erreurs du niveau 1 et maintenant on repart à zéro. Par contre, attention, la vague là, elle est très dangereuse. Ça va push, on a Ekarim, on a toute la vision, il y a le carapateur, il y a le décalage du écho. Il y a la pink ward et d'ailleurs très très bon pigeon de Smiley. Ils sont au courant ici qu'il y a un décalage qui est en train d'être fait sur eux. Le dragon qui est démarré du côté des mouses, on va récupérer ce dragon des océans. Pas de contestation possible, Blurzor n'est pas présent. C'est un bon call de la part des Allemands ici. C'est d'aller invade, pourquoi pas le topside pour Blurzor, ce serait un moindre mal. Ça semble compliqué, ce chêne avec cet habit peut largement protéger ses camps de jungle je pense.
Et puis il peut intervenir au dragon. Tout de même, tout de même. Il y a un petit moment de pression, mais ça passe. Il y a un petit Tukui qui passe par là, qui craque un petit Astropong au hasard dans le noir et ça aurait pu faire quelque chose. Grefg qui est en train de counter jungle du coup du côté de Blurzor, il a tout de même réussi. On swap aussi pour les gamers origines, on veut directement aller jouer le spawn du héros de la fight dans 30 secondes. Ouais, je pense qu'on veut pas vraiment pas laisser les mousses prendre un peu de... Même se mettre bien en phase de lane, parce que c'est pas la phase de lane des mousses qui est leur grand point fort. C'est clairement le mid game qui va être très très dynamique. Et donc tu peux pas te permettre d'avoir trop de retard. Tukui qui met des trades excellents sur la mid lane, qui garde sa prio, très important de garder sa prio sans la TP de leader, avec un ignite. Là on peut jouer le Herald. Et Jeskla qui respecte bien, il joue bien le coup avec sa Senna ici, il attend son support pour face check. Il est au courant que le Nautilus et le Graves traînent dans le coin. Ils vont même pas passer par le top side pour le moment. Par contre il perd énormément d'XP et de farm sur le top side. Tukui le face check, attention c'est très dangereux pour Loïc. Il le sent. On a vu le chaîne au bot, on sait que ça va se regrouper pour le Herald. On n'est pas forcément confiant pour jouer l'objectif en même temps qu'on fight, en même temps de fight, pardon. C'est tendu entre les deux équipes. Ici, il y a une Aro qui va partir directement. Le flash, il est excellent. Est-ce qu'on peut aller au bout de Jeskla ici, l'ultimate de Shen qui le fait tanker. On n'a pas tout à fait les dégâts. Oh, le Shen a eu le double taunt. Promiscue qui s'en sort, les Astropong de Tukui. Austin Beast va essayer de partir, mais il y a leader maintenant. Et Shemek ne pouvait pas suivre comme ce Shen. Et là, Austin Beast, eh bien, il va essayer de faire une rotation par les tours. X-Flash. Oh, ça paraît reset. Le flashy de Tolkien. Il prendra un flash, abordage. Il gagne beaucoup de temps, il temporise beaucoup de temps. Alors Tukui par contre il s'est fait catch pendant ce temps là par le E qui arrive, mais c'est terminé pour Tukui et sa Zoé. C'est l'excellent move pour les Mouse qui vont pouvoir récupérer le héros de la fight très certainement. Aïe. Ouais, on est allé un peu s'empaler et on pensait pouvoir dépop Jeskla. Malheureusement Tolkien était extrêmement réactif. Et Promiscue à la défense avec son Gaio, le taunt a été très important. Et on s'en sort à pixel HP. Et pour le moment les deux où tu vois, ils se font tempo, ils sont collés l'un à l'autre, stun. Tu vois le Shen qui arrive, tu te dis, aïe, ça peut pas bien se finir. Bah on va revoir ici, parce que c'est vrai que Jeskla joue sans cleanse tout de même. On essaie de le punir du côté des gamers origines. Le taunt Guardian de Gaio est excellent. Le Shen qui va arriver, qui va mettre un double taunt derrière. Difficile pour les gamers origines. Et là, Smiley qui n'a plus de summoner, qui se fait charger par Ikarim. Absolument faire. Aucun counterplay. Avec leader, et Shemek peut absolument pas suivre. On a besoin de Shemek hein, pour avoir vraiment le teamfight optimisé. C'est lui qui peut peel contre tous ses corps à corps avec un cyclone. C'est lui qui peut aller chercher le Jeskla. Et Jeskla il garde son flash dans cette opération. Oui, je crois qu'il l'avait pas. C'est pour ça qu'ils ont tout all-in. Ouais. Je ne dis pas de bêtises, Tolkien qui va venir récupérer cette wave ici. C'est les Mouse maintenant qui vont pouvoir essayer d'engager un snowball, pourquoi pas. Par contre il va falloir attendre pour eux le timing ultimate de Ikarim et le timing ulti de Shen. Une fois que ce sera fait, ils ont un héros de la faille à positionner, normalement en surnombre, qui devrait être assez simple. Ouais, ça va commencer à être dur là pour les Géo. Il va falloir tenir, mais je n'ai pas trop d'idées comment, parce que ça dive trop bien, trop vite, trop fort la compo des mousses. Le Ikarim est extrêmement bien lancé, c'est ce qui pouvait arriver de pire. De toute façon là en vrai Smiley pour jouer, mais je vois pas par quel miracle il y arrive. Avec les deux summoners il y a un miracle, mais sans les deux summoners je suis d'accord avec toi. Même avec les deux summoners c'est difficile. Sa game va être compliquée avec sa H. Le Echo et le Ikarim, pour peu qu'il y ait un Shen qui se mette dedans et un Galio qui arrive en prime, franchement s'il arrive à jouer Smiley c'est un dieu. C'est purement un dieu. On va voir comment ça va se passer, mais c'est vrai que les cibles pour les Mouse c'est assez simple d'aller catch de la Zoé, de la H. Bon sur la top end, on part en all-in, Tolkien qui n'a pas de flash, attend vraiment les dégâts du côté des gamers origin, on utilise absolument tout. J'ai Mech et Blurzor qui veulent aller au bout, mais non, on n'y arrivera pas totalement ici, on se rate un petit peu en plus et ça pourrait être un double kill pour Tolkien, on est obligé de flash out pour chez Mech. Il y a un Stand United, on peut aller jouer un Herald et prendre la première tour de la partie a priori, puisqu'on a beaucoup de ressources qui ont été investies sur le top side. C'est dommage. Ah, ça coûte. Ils sont pas compris, ils sont pas bien compris. Le top laner et le jungler des gamers origine et ça va coûter une tourelle. Puis bon, c'est un double AD hein. Contre un Shen qui est parti de Tabby First, donc bon bah oui, il tank hein, forcément, il résiste un peu. Je pense que c'était vraiment la pire lane à gank. Et la réponse elle est excellente du côté des Mouse. Après,
On l'a vu, ils vont faire des erreurs en mid-game normalement. Va falloir essayer de collecter du côté des Gamers Origin. Mais 3 kegels de retard, c'est tout de même beaucoup. Et surtout, c'est le Echo qui est fed. Elle gomme beaucoup les erreurs, leur compo. C'est un peu comme jouer en une Soraka avec des gold. Ça gomme les erreurs. Très belle comparaison, moi. Bah ouais. Ils ont une combo de press air avec des shields dans tous les sens pour soutenir leader qui va un peu trop deep. Mais donc leur forcément... combo est insane. Ah, déjà le combo Eka, Shen, Senna, on sait que c'est absolument broken. Oh. On part au dive du côté de leader, c'est extrêmement osé pour le moment. Tukui qui juke bien, qui s'en sort. Qu'est-ce mais il y a un Eka arrive, malheureusement. Qu'est-ce qu'il risque? Il ne risque rien. Allez, Tukui. Ils font. Ils peuvent vraiment dive comme ça, mais c'est tellement une injustice. Et on ne peut rien faire après. Pour le coup, leader va un petit peu loin. Oh. Et son ultimate était parfait. Oh. Il vient chercher Uslin qui se fait outplay. Le flash de Smiley qui récupère tout de même un kill et un shutdown. Bonne nouvelle pour cette hache. Il a tanké cette tour un peu trop longtemps, Promise Q. C'est ça qui m'a déstabilisé pendant le teamfight. Oui. Je me suis dit ce qu'il a fait. Je crois qu'il a pris la flèche de cristal en fait de Smiley qu'on n'a pas vu. Je crois que c'est ça ce qui s'est passé. Ce qu'il avait, ils avaient des stopwatch et tout. Le suicide de Tolkien. Mais voilà, quand on disait ils ont une compo pour dive sans vraiment réfléchir, je pense que l'illustration est absolument parfaite. Et pourtant, les Gamers Origin ont globalement bien outplay. Ouais. Notamment Tukui au début qui gagne un maximum de temps. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Promise Q? Parce que moi aussi ça m'a laissé assez perplexe. Déjà on met tout du côté de Tukui. Il arrive à juke un maximum de temps. Honnêtement il tient vraiment très très longtemps ici. Et la flèche qui vient terminer Promise Q. D'ailleurs Bowser qui se fait juste one shot dans la mêlée. Qui ne peut pas y faire grand chose, le taunt est bien ajusté. On est quand même en train de dive. Où la T2 et la T3, sachant que la T1 est debout. C'est pour dire à quel point les Moose à venir fight ici, ils trollent. C'est vraiment le leader qui veut se battre. Hein. Ah ouais, ça se voit, ça se sent. Et ils prennent l'avantage hein, sur ce move. C'est ce qui peut leur coûter cher. Mais voilà, par rapport à la game de tout à l'heure, bah, ils peuvent se permettre. Ils peuvent se permettre de faire ça avec leur compo. Mais le grand gagnant, qu'il ne faut pas oublier, c'est Shemek, qui passe largement devant, qui a deux niveaux d'avance, qui a 20 CS d'avance aussi, qui a une trinité sur son Wukong, et qui maintenant se retrouve en position de principal carry de son équipe. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, et je suis curieux de voir du coup, ce qu'il va pouvoir réaliser comme game ici, Damien, même si bon... Pas non plus extrêmement simple, il y a beaucoup de tabis en face et les mouse sont quand même largement devant. Ouais, je me demande en fait si chez mec avec cette avance il peut mettre en difficulté Tolkien en 1 contre 1. Alors je pense pas tout de suite, mais à terme. Parce qu'effectivement c'est le seul qui peut ralentir la progression des mouse. Et il faut que Tolkien, s'il met un Stand United, il faut que ça lui coûte une tour. Totalement. Et chez mec, comme tu l'avais déjà dit, contre 4 mêlées, même contre une Senna, hein, c'est assez sensible. Senna, on va flash in directement, on met tout sur Tukui, mais il a un flash, il devrait pouvoir s'en sortir. On s'en sort pour Loïc ici, la Rock qui devrait connecter, quoique Tukui qui se fait récupérer par Obsess, absolument rien à faire. Et Promise Q, superbe stopwatch. Attention, on a une hache qui est toute seule. Smiley qui s'est mis en chasse d'un Ekarim. Ouais, bah Smiley, t'es tout seul, t'as pas de flash. Et c'est parti. Il a une cleanse encore. Oh. Ça va trop deep, ça va si deep, mais c'est pas grave, ça marche. Quoi ? Encore sous les tours, la compo est bonne, la compo est excellente, Blurzor, suivi par leader, leader, ah, il hésite. Bon, mais ça pile trop, comment tu joues contre ça ? Bah, tu bannes Ekarim. Bannes Ekarim, ou tu piques Ekarim. Ah non, non, ils ont laissé trop de choses. C'est ils pas ont fini laissé après, trop de choses. Ils vont troller, c'est des trollers les mouse globalement. Bah ils trollent déjà là, c'est ça le problème. C'est qui. Enfin. Il y a 25 000 façons de jouer plus proprement. Ils sont déjà en pure trolling. C'est juste que la compo est tellement fumée que ça passe. Bon, ça, il peut pas faire grand chose avec son pic de graisse, malheureusement. Il n'a pas totalement les dégâts. Tout coup, on le voit, il se fait récupérer avec sa Zoé. Pas grand chose à faire non plus. J'ai ce clac qui joue bien le coup ici, qui est pas loin de terminer le stream tout de même. Et Smiley se retrouve un peu trop seul, qui clear une pink ward. Et Smiley. Petit carton jaune ici sur Smiley qui doit pas faire ça. Avec une hache en flash. Il y a la T1, il y a la T2, ils y vont. Dans le plus grand desquels, il tue Blurzor ici, Obsess qui ne mourra pas avec tous les shields. Et chez mec qui arrivera bien trop tard. On voit peu de solutions et là ils se permettent, mais ils se permettent tellement. Il y a encore un outil Galion en plus pour Promise Q, voilà, qui vient pile sur les coups de tour. Que prend leur AD carry qu'ils ont oublié derrière. L'abordage est excellent pour Austin Beast, mais Smiley qui n'a pas de flash. Et qui n'a pas de lanterne. De dévoration de Tahm Kench parce qu'il a un Nautilus. Alors est-ce qu'il y a un monde dans lequel ils reviennent? Pourquoi pas, hein. Blurzor ici s'en sortira. Je suis d'accord avec toi, il y en a à moins que Tukui
Table qui connectera pas malheureusement sur Jess Class, ça aurait pu être un kill. On sortira pour le carry des Mouse. Et chez mec, pour moi, il doit commencer à tenter d'un contre 1. Il doit essayer de passer absolument sur Tolkien. Faut le jump in en permanence, faut essayer de prendre des bons trades. Je me rends pas compte du matchup évidemment. Et bon. Bon le tie break pour Mouse à la fin, Mouse Geo à la fin de la journée. Après Mouse, ils auraient 2-0 sur Geo. Mais tout dépend en fait. Non, Mouse avait perdu de base contre Geo. Ah, donc là c'est 1-1. Mais en fait, ça tout dépend du Mouse Fnatic après. En gros, si le Mouse Fnatic, si c'est Fnatic qui gagne, il y aura un triple tie break. Globalement. À moins qu'il y ait une équipe qui choque contre le paillasson du groupe. Ah, mais ça il y a potentiellement du tie break là. Hein. Oui. Ouais. On va voir, en tout cas, on a le fight au dragon. Promissiou qui tank, on n'arrive pas à trouver des gars Promissiou, Blurzor sur le côté, mais voilà la Senna qui remonte tellement de monde en point de vie. Smiley qui rentre dans la mêlée, il y a Leader qui va venir le chercher. Peut-on sauver le soldat Smiley? Non, la réponse est non. Ils peuvent pas faire avec les Gamers Origins, c'est infâme, il n'y a absolument rien à faire ici. Blurzor qui tente sur les Karim d'Obsess et pendant ce temps-là, le héros de la faille est en train de charger sur la mid lane. Et les Mouse qui vont tout récupérer. Je vous aime beaucoup les Gamers Origins, hein. Franchement je vous adore du fond du cœur, mais la draft elle a été archi trop laide. Hein. Après le niveau 1 leur a aussi fait très très mal. In-game il y a eu pas mal d'erreurs des Géo. Le niveau 1 qui part aussi mal, parce que si le niveau 1 part pas aussi mal, je pense que c'est eux qui ont la priorité bot lane, ils auraient une priorité mid lane aussi. Il y a quasiment 3 lanes qui sont censées gagner. Quoique Wukong contre Shen, c'est pas non plus si facile en early game. En early game tu fais rien. En early game tu fais rien, mais t'as au moins deux lanes qui gagnent, t'as un jungler qui peut mettre de la pression en. Surtout avec un jungler AD, on l'a vu, des tabis c'est fini. Ah pour moi c'est fini, ils peuvent empêcher le Kerim de jouer avec Zoe Graves s'ils ont un bon early. En l'occurrence ils ont pas eu un bon early et là on voit que la composition en regroupement des Mouse. Mais Smiley il a son flash, hein, c'est pas pour autant qu'il peut survivre. Hein. Salut. Ça se flash pas ça. Je peux pas flash ça. Tu meurs, tu prends quand même le dégât de la charge. Ah mais je suis d'accord avec toi que Senna, Gaël, Yoshen, tu te dois de Baneka. C'est un champion qui a trop de synergie avec ses derniers. On va tenter des choses, on l'imagine du côté des Geo. Maintenant ils sont bien trop derrière. 3 dragons en plus du côté des Mouse. Ça va être ô combien difficile de comeback. Avec en plus une âme infernale. Si t'avais des espoirs que ta hache survive plus d'une demi-seconde en teamfight. C'est un souffle de vent l'a fait tomber dans le ravin. Il peut pas jouer, hein. Il peut légit pas jouer là. Il y a un 7-0 et Karim en face. Il y a rien à faire. Est-ce qu'on est surpris? Est-ce que tu es surpris, Triton? Non, pas trop. Voilà. À partir du moment où les 5 premières minutes se sont pas passées hard en faveur de Geo, on voyait ce scénario arriver, je pense, en mid-game, au vu de la composition des Mouse. Ce mec, il va peut-être tenter ici avec Blurzor, mais est-ce qu'on a les dégâts? Il a un flash en plus, ce chaîne, hein. Faudrait qu'il tonne dans le vide pour le tuer. Pas le tuer ? Ils vont le tuer tout de même. Il y a un flash, hein. Il y a un flash. Et là tout le monde va décaler et Blurzor et Shemek sont très certainement décédés. Tac à clope, c'est pour Blurzor, hein. C'est pour Blurzor, lui il peut pas s'escape, il a pas de quoi être invisible. Shemek, un flash. Et on va essayer de jouer sur la mid lane du coup pour les Gamers Origins. Mais ça va être dur d'avancer, en plus le Echo peut charger à n'importe quel moment, il y a Stain United toujours et l'ulti de Promissio. C'est ça le problème, c'est que Leader tout seul sur la mid lane, il peut décider d'encage contre 3 personnes. Ah Tuku il se fait choper d'ailleurs, il est obligé de flash out s'il y a Promissio de l'autre côté, donc Tuku il est totalement décédé. Avec sa Zoé, il récupère un flash, il va tenter de gagner un maximum de temps et pendant ce temps là, bah, Smiley peut free DPS sur les carrés mais il n'y a juste pas les dégâts. Et il force le flash out de la bot lane des Gamers Origins. Pas mal. Tuku il se fait toujours chase. Mais il a plus de flash. FF. Ouvrir vite, okay. Ouvrir mid. Et la tour qui tombera. Pendant ce temps là le chase de l'infini, ah, avec cette bulle qui va toucher. Est-ce qu'on va se... S'en sort Tokuyan, hein. Oui, s'en sort. La fée vivra. La tour est tombée du côté de chez mec. On s'accroche. On est combatif chez les Gamers Origins. On peut leur accorder ça. Ok, Tokuyan qui s'en sortira, chez mec qui n'a pas les dégâts pour changer ce écho. Et Leader il a chase sur toute la carte, hein. Ah ouais. C'est ça, c'est un... J'ai failli dire des mots peut-être un petit peu difficiles, mais bon, on va les dire, c'est un débile. Enfin, il est Leader, il voit un mec, il lui court dessus, ouais. Il veut tuer en permanence, il veut faire et que ça. C'est sa vie. C'est un peu dommage, je trouve que c'était déjà son défaut avant, et je trouve que ça s'est amplifié. Alors là, il est tout de même accompagné par la bonne draft, mais s'il joue 100% du temps comme ça, il va prendre des murs.
Bah en fait le problème c'est aussi son champion pool. Parce que Akali et Irelia c'est cool. Et tu te dis bon, qu'est-ce qu'il peut aller à ce champion pool? Est-ce qu'il va être du Azir? Il en a joué un petit peu, c'était pas mal. Est-ce qu'il va être des champions un petit peu range? On en a vu de temps en temps, mais là on voit le Echo, c'est un champion qui est quand même très similaire à Akali, qui lui permet de faire la même chose. Après il le fait très bien dans sa catégorie, leader, c'est un monstre. Il a un très bon talent aussi hein. Oui mais faut qu'il change de catégorie, faut qu'il aille jouer des champions mages, il faut qu'il aille jouer des choses plus contrôle. Il avait une très bonne Qiyana, effectivement il y a un thème quoi. Il y a un certain thème ouais. C'est ce qui lui manque pour être en LEC hein, pour lui je pense sincèrement. Mais bon. Parce qu'en LEC le truc c'est on l'a vu, hein, il a tenté de faire ça et il s'est fait calmer dès les premiers games. Ça marche pas en LEC, mais dans le même style que Mickey. Hein. Mickey il est reparti en Corée. Et en Corée c'était encore pire. Il a tenté de all-in pareil des mecs comme Showmaker et comme Chovy. Il est reparti ensanglanté. Ils ont fait bon dernier. Ils ont fait ah bon, compliqué. Chez Excel c'était du all-in Panthéon sous la T2 aussi. Mais voilà, ça marchait pas en Corée. Oh là là, Smiley adieu. Tellement rien à faire. Je souffre pour cette hache, on souffre tous un peu avec Smiley. Et on sait qu'il a une bonne hache, mais tu vois qu'il y a vraiment absolument rien qu'il ne puisse faire maintenant les gamers origin. La game est évidemment terminée. Les Mouse qui ont très bien joué globalement, qui ont pris une bonne draft, qui ont su la jouer, qui vont récupérer l'âme du dragon infernal ici. Et Obsess qui est assez impressionnant dans ces deux premières games. Il peut être surprenant, c'était pas lui qu'on attendait le plus fort du côté des Mouse. Mais très clairement, c'est pas loin d'être lui qui carry. Complètement. Il nous fait une très très belle journée. Et avec ça, les Mouse se qualifie pour la suite et avoir décidé du seed, mais c'est une game de qualification que les Gamers Origin vont devoir attendre contre les Intrepid Fox avant de confirmer la tendance. On veut nos trois équipes en quart. Hein. Oui. Vous m'entendez bien, les Géos ? Ils sont très très bien partis, les Géos. Ouais, ouais. Mais attention, hein. Je veux les Géos en quart. Je veux aussi. Sinon, les locaux ils sont pas loin, on y est en 20 minutes, voilà. On se met à deux en trottinette avec Tréton et on arrive pour Castagner. Oh, en trottinette en plus avec mon petit gilet jaune là. C'est parti, hein. En plus, c'est la bonne journée pour ça. Bah ouais, c'est dans le thème. Allez, au niveau de cette botlane, l'hydre vorace pour chez Mec, les armes de speed push sont à sa disposition. Ah, ils vont pouvoir enchaîner sur le Baron Nashor sans trop de soucis. Les Mouse, il y a trop de shield, trop de healing, ils vont pas perdre d'HP, ils le font pas non plus super rapidement. Mais on va encore all-in, hein, Smiley. Smiley qui n'a pas de flash, adieu Smiley, il peut pas jouer la game. Fun. 20 à 4, 10 000 gold d'avance à 25 minutes. Une âme infernale et un baron de finition. Chez Mec qui gagne son 1 contre 1, c'est la seule bonne nouvelle de la partie. Et ouais. Pas de contestation possible, évidemment. Y a plus rien à faire dans cette game, tout coup il y a trop peu de stuff. Pareil pour Blurzor. Smiley n'est pas un facteur parce qu'il se fait one shot en permanence. Du côté des Mouse, Lidor va pouvoir back et aller chercher un Rabadon. Il sera bien trop puissant dans cette partie pour que les Géos puissent espérer quoi que ce soit. Donc là écoute, faut juste tranquillement passer à la prochaine partie. C'est ça. Et surtout ne pas se row contre les If derrière. Ils ont encore un destin entre leurs mains, les Gamers Origin, ils ont encore de très très fortes chances de passer du groupe grâce à leur victoire contre les Fnatic Rising un petit peu plus tôt. Et vu la forme des Mouse, même s'ils trollent un petit peu, vu leur forme actuelle et vu la forme de leader, je suis pas sûr que du côté des Fnatic Rising on pourrait les tenir. Donc si les Mouse venaient à gagner contre Fnatic Rising, ça voudrait dire que ils les Gamers Origin passent. Ils sont bien auto-qualifiés les Mouse, hein, s'ils passent parce que ça leur ferait 2-0 contre Géo. Et oui. Du coup il y aurait pas de tie-break possible avec Géo, donc c'est vraiment... Sure. Bah ouais. Mais non. Il sera à 4-1. Ils ont perdu contre Géo. Tu sais pas lire un tableau? Ah oui, je sais pas lire un tableau. Ah c'est... Oh, c'est extra... Tu t'étais moqué de moi. Mais c'est extrêmement grave. Hein. T'as 30 ans de... Enfin, c'est... Bref, c'est parti directement. Lolin, on essaie de tout mettre sur cette scène. Mais pour le moment, elle arrive à tanker. On n'y arrivera pas, évidemment. Chez Mec, lui aussi va tout mettre. Mais c'est absolument impossible. Leur composition est trop forte. Et c'est la game pour les Mouse. Quoique, Blurzor, joli crit. Je crois qu'il est parti. Sur les tendances, pas un crit. Mais je sais pas comment il a fait autant de dégâts. Le retour du Q-spell que je n'ai pas vu, peut-être. Il récupère certains kills. Mais c'est la game pour les Allemands. Non mais on s'est un petit peu vautré là pour les Gamers Origin en espérant que ce soit pas l'erreur de trop dans ce tournoi et du coup on va devoir se battre jusqu'au bout pour aller chercher une place pour la suite.
et les Mouzes qui se mettent extrêmement bien. 10-0-10 pour Obsess. 4-0-16 aussi du côté de la Senna. On va dire que ça s'est bien passé. C'est très très bien passé. Et du coup, au pire pour les Mouzes, ils doivent passer un tie-break pour aller en quart de finale. Donc ils sont très très bien positionnés. Les Geos sont aussi très bien positionnés. Maintenant, c'est Fnatic Rising qui vont devoir répondre. Ouais. Qui doivent absolument gagner leurs deux prochaines parties s'ils veulent avoir une chance. C'est ça. Les prochaines games d'ailleurs, on va voir un Fnatic Rising contre les Intrepid Fox. Après Intrepid Fox contre Gamers Origin, très important. Faut pas trop. Et ensuite, Fnatic Rising contre les Mouzes. Voilà pour le programme. Les Geos qui nous font suer, qui se font suer. Attention. D'ailleurs, un fan a proposé le nom de la trétinette au lieu de la trottinette. Et ce sera notre moyen de locomotion pour nous rendre à la Game Gaps Géo. Si jamais il ne se qualifie pas, vous serez prévenus les Géo. A tout de suite, nous, on se rejoint juste après la pause. Intrepid Fox contre Fnatic Rising. Donc t'attends pas les replays? Bah non. Bah normalement, on est censé les attendre. Ah, on attend les replays. Non, du coup, faut meubler jusqu'au replay et après t'as deux replays. Mais du coup, tu me cases dans mon flow comme ça. Bah non, parce que là, pour le pauvre régisseur, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est Rambo, il est intrépide. comme les renards de Fox. Ben, d'accord, donc on parle juste en pensant à la. Je sens que tu y tiens. Et du coup, on va rester ici avec nos amis. Tu veux Internet spectateurs. Internaute. Ouais, Internet. Mais spectateurs, tu vois. Parce que tu peux être internaute et pas être spectateur. Et on n'a pas vraiment de terme. Et je trouve que viewer, c'est un peu impersonnel, tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est bien toujours. La commu. Avec la commu, merci. Avec la commu, évidemment, pour attendre le prochain match des Fnatic Rising, ô combien important. Et nous, on fera peut-être du coup une descente en trétinette. Ouais, la trétinette. Tu y as jamais pensé? Mon pseudo vient de trottinette, c'est pas une blague. En vrai? En vrai, ouais. T'as toujours été un thug, toi. Hein. C'est vrai que c'est dans mon ADN. Dès le début, is this the face of mercy? Dès le début, là, hop, t'as posé les bases dans la Tessie. C'est toi le boss. On va vous laisser avec les moves de la game. Et on vous retrouve après pour Intrepid Fox contre Fnatic Rising. À tout de suite. Fuck noir.